Découvrez une sélection d'objets tendance, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro, 3 rue Michelet à Saint-Étienne. CadeauMaestro.com. Alors Charline. Alors, cette semaine, je cherchais une chronique, j'étais devant mon ordinateur et qu'est-ce que j'ai fait? Je nettoie mes lunettes souvent. Je dis, bah tiens, on va partir sur les lunettes, ça sera super bien. On est quand même très nombreux en France à porter des lunettes, à peu près une personne sur deux, lunettes, lentilles. Bon, là, je suis mal entourée, je crois. Non, c'est pas ça, heureusement que tu n'avais pas de bigoudi. Non, mais ça m'inspire énormément d'être chez moi, sur la télé. Je fais au moment Puis c'est devenu un objet fashion un peu. Voilà, donc c'est ça. Au-delà du côté pratique, voilà, on peut les avoir aussi bien en lunettes optiques que lunettes solaires. Par exemple, au niveau des solaires, souvent quand vous allez les acheter chez l'opticien, il vous fournit avec vos paires de lunettes un étui, donc soit de la marque soit directement de l'opticien. C'est pas forcément hyper coloré, hyper beau, c'est pour ça qu'on propose des choses un peu plus originales. On va avoir ce bel étui là qui va être vraiment pour les lunettes solaires, parce que souvent si vous repérez vos lunettes solaires par rapport à des lunettes optiques, elles sont beaucoup plus épaisses, comme celles-ci, vous voyez, elles sont grosses, c'est dur à trouver. Donc là vous avez un bel étui donc, qui reprend le plan de Venise avec une super petite patounette très colorée, qui est très belle pour l'été. Vous mettez vos lunettes dedans, on referme, et l'avantage c'est que vous pouvez aller après à la plage, etc. C'est joli, c'est tendance, un peu comme on change un sac, on a envie de changer des tuyaux. C'est vrai. Voilà, donc c'est très joli. Aller à Venise, surtout. Ça peut être aussi pratique pour aller à Venise, ou si vous n'avez pas de bol et que vous allez je ne sais où en vacances, dans le Loir-et-Cher, vous pouvez avoir eu l'impression de partir ailleurs. Les gens du Loir-et-Cher vont être amis. Voilà, c'est ça. Non, j'adore le Loir-et-Cher, j'ai de la famille là-bas, c'est pour ça que je me permets. La personne du Loir-et-Cher. Voilà. Au-delà du côté esthétique, on peut avoir aussi les produits un peu plus fun. Donc par exemple, je vais avoir ces magnifiques étuis donc, qui peuvent marcher aussi bien pour des enfants que pour des adultes, qui sont donc en métal, qui protègent bien vos lunettes et les lunettes tout simplement. Et on peut jouer aussi avec, donc voilà, Philippe fait très bien le côté féminin. Et moi, je vais faire les yeux de Carlin. Et les yeux de chat pour Anthony. Les yeux de chat. Voilà, donc ça donne en plus l'impression d'avoir une belle vision, parce que les chats voient bien, ils n'ont pas de lunettes, donc c'est aussi une chance pour eux. Voilà. Au-delà du côté esthétique et fun, on peut avoir aussi les choses encore plus pratiques. Et là, j'ai des super étuis qui sont doublés. Donc je vous les ai déjà ouverts, donc il existe en blanc, en noir et en absolument magnifique, qui va être comme ceci, qui va être en... Je mets devant Anthony, comme ça on le voit bien aussi, magnifique, Anthony. Vous aurez donc un côté pour mettre les lunettes et de l'autre côté pour mettre tous les accessoires, donc avec la lentille, donc le liquide, les lentilles, une petite pince, un petit miroir. Par exemple, vous partez en soirée, vous avez vos lentilles, vous sortez, vous avez fait un peu la fête, vous n'avez pas beaucoup dormi, vous ne voulez pas remettre vos lentilles le lendemain, mais vous avez tout de l'autre côté parce que vous avez mis vos lunettes. Donc c'est hyper pratique, vous pouvez emmener les deux partout, c'est le côté pratique. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. C'est super. On se demande comment ils n'y ont pas pensé avant. Et voilà. Maintenant, c'est bon, vous l'avez. Cadeau Maestro. Voilà, vous l'avez. ensuite, donc là, on parle des gens qui ont des lunettes et qui veulent les ranger. Donc, on a parlé d'étuis. Aujourd'hui, c'est que souvent, vous avez des étuis dans différentes pièces. On peut les avoir dans la chambre quand on va lire, d'autres sur le canapé, d'autres à la cuisine quand on veut juste regarder son livre de recettes. On peut avoir des repose-lunettes, comme il y a présenté ici, si Aurélien les voit bien. Donc, dans des formats marrants, on va avoir des petits visage avec la petite statue Moé, vous savez, pour l'île de Pâques, un petit peu. Je ne sais pas si on la voit ici. Ah, les lunettes. Alors, les lunettes ne sont pas à vendre. Hein. C'est des anciens modèles que j'avais, qui sont un peu old school, hein, je l'avoue. Donc ça, c'est bien. Vous mettez vos lunettes dessous. Philippe, il faut le dire. C'est un peu old school. Bon, voilà. Ou à l'inverse, voilà, vous avez aussi, par exemple, pour faire l'effet moustache. Et après, je pense que ça parle de même. C'est juste joli, c'est déco. Et ça vous refait un petit visage avec la moustache ou le bisou aussi. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais voilà, en tout cas, c'est chez Cadeau Maestro. Tout à fait. Voilà. Et enfin, en dernier, pour le côté pratique, j'ai une collection qui s'appelle la collection Bobino, qui est très colorée et qui va permettre simplement de mettre vos lunettes dans vos sacs. Donc, ça va se présenter sous ce format-là. Sur le derrière, vous avez un petit kit pour le mettre à l'intérieur du sac. Si vous souhaitez un étui fermé, vous retournez simplement le petit cache. On le remet de l'autre côté, ça vous fait un étui fermé et vous le laissez ouvert et vous le clipsez au sac ou je sais pas au bord dans la voiture aussi. Dans la voiture. Ouais. Pour la voiture, on en a mieux encore. Ah. Pour la voiture, on a ça. Ah. Voilà, pour mettre au pare-soleil. Voilà, c'est ça. On le met et en fait, on clipse sa lunette sur le dessus et ça évite de les chercher dans la boîte à gants ou autre, ça évite les accidents en plus. C'est pas plus mal. Voilà. Donc ça, c'est une collection juste colorée et hyper pratique. Très bien. Voilà. Bon, je changeais à peu près tout dire en attendant. On voit à travers. Ça, c'est pas fait pour, mais bon, ça marche aussi. Ça marche C'est joli, ouais. Voilà. Donc là, vous avez tout, je pense, pour avoir des. Voilà, le tout, c'est de changer et de pouvoir se faire plaisir avec ses lunettes. Très bien, merci Charline. Voilà. Merci. Bon, vous revenez la semaine prochaine? Bien sûr. Bon, très bien. Avec Cadeau Maestro, toujours. Tout de suite, eh bien, je vous avais promis qu'on parlerait plantation de jardin compost. Eh bien, c'est avec Jérôme, tout de suite, des établissements Rénofleur, juste après la petite virgule.
Découvrez une sélection d'objets tendance, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro, 3 rue Michelet à Saint-Étienne. CadeauMaestro.com